Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé, repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais, je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les draps, sur les draps. Je donnerais tout pour être dans tes bras, dans tes bras. J'ai fini par te pardonner. On se croit sans se lancer un regard, un regard. Je ne sais quoi dire quand on me fait la remarque, la remarque. Notre entourage tente de nous raisonner, raisonner. Je pense qu'il est temps de se retrouver. J'ai fini par te pardonner. Alors moi je m'appelle Anthony, j'ai 25 ans, je suis le chanteur et le pianiste du groupe. Donc moi c'est Quentin, donc 23 ans, et je suis le batteur électronique acoustique et rappeur aussi. Alors on jouait ensemble déjà avec Quentin depuis 8 ans, dans un groupe de rock que j'avais créé au lycée. On était 4. Et avec le temps, on s'est un peu éloigné des autres. Ils avaient plus la même motivation pour la musique. Nous, c'était jour et nuit, on respirait musique, on mangeait musique, on bouffait musique, c'était tout le temps, tout le temps. Du coup, on a décidé de continuer que tous les deux en juillet. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais été aussi heureux en musique depuis qu'on avait continué de faire de la musique que tous les deux. Donc c'était un peu une ascension personnelle. Et donc ASNCA vient de là. C'est des influences très pop, très modernes. On est assez ouvert musicalement, on peut faire... la pop qu'on entend en radio, comme passer un peu d'un reggaeton ou quoi. Et c'est pour ça aussi, sur nos compos, on travaille aussi dans ce style-là. Alors on a beaucoup tourné pendant 4-5 ans avec l'ancien groupe. On a fait pas mal de concerts pour des soirées, on a fait aussi des tremplins. On a fait un tremplin au New Morning en demi-finale, c'est top. Et donc là, oui, on a commencé les concerts, on enchaîne, mais on attend la reprise, quoi. En fait, tous les deux, mais c'est beaucoup moi qui gère ce côté un peu démarche, booking. Donc ouais, bah, c'est beaucoup de mails, des centaines de mails, avec un taux de réponse assez faible. Beaucoup de porte-à-porte, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Mais pour le moment, en tout cas, ça marche bien pour nous.
nous, Smart Music Tour, on compte vraiment sur eux pour nous mettre en relation avec des gens qu'on n'aurait jamais connus sans. On cherche vraiment à trouver des alchimies musicales, des personnes qui adoreraient notre musique, qui la ressentiraient autant que nous. Même rencontrer d'autres musiciens, nous, c'est vraiment ça, le contact et les relations. Tu préfères jouer devant un public à poil ou jouer à poil devant un public ? Moi, je préfère jouer devant un public à poil parce que je suis très pudique dans la vie de tous les jours. Quelle est la chanson que tu chantes sous la douche ? En ce moment, je chante Blackpink. Ton maillot qu'on réclame toujours, ça me rend fou. Considère que cette fois, je suis au rendez-vous. Karma, comme tu sais le faire, occupe-toi de cette abasourdie. Je t'en prie, fais vite, I'm right back. Alcool. Alcool, c'est pas pour moi parce que moi, je suis celui qui boit pas trop. Par contre, à côté de moi, bon. Moi, j'ai chopé voyage. Ça me change fait vite, change vite dessus. Moi, j'ai chopé voyage. Et forcément, on pense à tourner en tant qu'artiste. Donc, vivement que le confinement soit terminé, que les couvre-feux soient terminés, que le Covid soit éradiqué, qu'on puisse recommencer à faire des concerts. Alors donc pour l'objet, on a pris du coup une baguette. C'est pas n'importe laquelle, parce que du coup c'est la première baguette depuis qu'on a créé Ascensia. C'est assez particulier parce que du coup, pour moi en tout cas en tant que batteur, je suis passé d'une batterie acoustique à une batterie électronique. Et du coup c'est un peu notre identité quoi. Alors notre actu, on continue de poster régulièrement sur nos réseaux sociaux, environ toutes les 3 semaines maintenant, un cover. À côté de ça, on enregistre toutes nos maquettes. En ce moment, on a une dizaine de compos qui étaient écrites mais pas enregistrées, donc on les enregistre. On sait pas encore ce qu'on en fera, mais c'est important voilà, d'avoir tout ça sous la main au cas où une occasion se présenterait. Alors vous pouvez nous retrouver sur Facebook, YouTube et Instagram. On est plus actifs sur Facebook, alors allez suivre notre page et on serait ravis d'agrandir la communauté. Rouvrez les bars, s'il vous plaît, qu'on puisse faire des concerts. On veut jouer, rouvrez. Hello tout le monde, c'était Ascensia dans Smart Music Tour. On espère que vous avez apprécié notre cover et notre interview. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Ascensia. See you soon. See you soon.